Mesdames et messieurs, merci de votre confiance que vous ne cessez de témoigner à votre chaîne Congo Live Télévision et bienvenue à votre cadre d'échange, votre cadre de partage, votre cadre de réflexion où nous partageons des idées avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans notre beau et cher pays. La République démocratique du Congo, tant de sujets d'actualité, tant de sujets à débattre ces jours avec vous, mesdames et messieurs fidèles internautes, vous qui êtes disséminés à travers le monde. Nous allons en premier lieu parler de cette tournée ou de cette visite du chef de l'État attendu dans la province du Katanga. Le chef de l'État sera attendu au Katanga dans les tout prochains jours, justement pour essayer un peu de colmater de brèches par rapport à tout ce qui se raconte, ces guéguerres entre les Katangais et des Luba. Une information qui a pris d'autres proportions après cette réaction toxique de la députée nationale Dominique Munongo. Le chef de l'État devra bien évidemment rencontrer des notables Katangais, mais également des notables Luba, justement pour essayer d'accorder des violents par rapport à ces problèmes qui se posent avec acuité du tribalisme. Mais également, on va parler au cours de cette émission, parce qu'il y a un ouf de soulagement total de part des militaires et policiers. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exaucé au vœu de femmes, de militaires et policiers. Les militaires et policiers ont eu une majoration de leur salaire. Satisfaction totale dans tous les camps militaires en République démocratique du Congo. Et puis, cette coopération entre l'Angleterre et le Rwanda au sujet des réfugiés. En Angleterre, le Rwanda se porte garant d'accueillir les réfugiés de l'Angleterre. Est-ce le Rwanda a un espace adéquat pour accueillir les réfugiés du monde? On en parle au cours de ces cadres d'échange. Et puis ces dialogues tant voulus par l'opposition politique congolaise. Les FCC est monté au créneau. L'AMUKA de Martin Fayulu, Madidi et Mouzito est monté au créneau justement pour demander qu'il y ait un dialogue autour de la réforme électorale. Est-ce une nécessité? Est-ce que ce dialogue ne va pas permettre au pays de glisser pour qu'il n'y ait pas des élections en 2023? On va décortiquer tous ces sujets avec vous, Joseph Kabila Kabange, qui s'est fait accompagner par la population de Tchangou jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. La population qui voulait coûte que coûte a accompagné Joseph Kabila chez lui, donc à Kingakati. Est-ce une manipulation? Est-ce c'est quelque chose qui a été boutiqué, préparé? On en parle avec vous, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision. Comme je l'ai dit, c'est un cadre de partage, c'est un cadre d'échange entre moi et vous par rapport au sujet qui défraye la chronique, au pays de Patrice Emery Lumumba, au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je n'ai pas les monopoles des savoirs, les monopoles de l'information, ne considérez pas ce que je dis comme un dogme, comme une vérité absolue. On est là, on dit, dans les chocs d'idées jaillit la lumière. Moi, je vous donne l'information qui brille dans notre pays, la République démocratique du Congo. Malgré que vous êtes en France, vous êtes en Londres, vous êtes aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, partout où vous soyez, on est là pour discuter, pour échanger, pour partager. Vous pouvez toutefois nous suggérer des choses, mais également formuler une idée par rapport à tous ces sujets d'actualité. En toile de fond de ces cadres d'échange, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, Joseph Kabila. Joseph Kabila Kabange, qui s'est fait accompagner par la population, une frange de la population de la Tchangou, Pascal, Massina, Kingasani,
qui tenait à l'accompagner chez lui, à la maison, à Kingakati. Est-ce un plan préparé? Parce que on s'est dit, en regardant les images de cet accueil, de cet accompagnement de Joseph Kabila par la population, on lisait directement que c'est une catégorie de personnes. Si vous regardez les images, on voit de badauds. Si vous regardez les images, on voit de voyous. Si vous regardez les images, on voit une catégorie de personnes manipulées. Une catégorie de personnes à qui on achète la conscience. Il suffit justement de donner 500 francs, de donner 2000 francs, 3000 francs, et ces personnes se mettent à crier, se mettent à chanter à votre gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs fidèles internautes, on peut réclamer les retours aux affaires de Joseph Kabila Kabongé? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a bénéficié pendant 18 ans des règnes des Kabila fils? Est-ce qu'on a de bons souvenirs de son règne? Est-ce qu'on a de bons souvenirs des actions réalisées par Joseph Kabila Kabongé? Est-ce qu'aujourd'hui nos papas, nos mamans, filles, garçons et enfants, peuvent réclamer à ces jours les retours aux affaires de Joseph Kabila? On pouvait lire, on comprend justement. C'est une classe manipulée, une catégorie des gens manipulés à qui on a acheté la conscience, à qui on a donné le billet de banque pour chanter à la gloire de Joseph Kabila. Mamadou Ndala, Thérèse Kapangala, tous ces mondes, donc la liste n'est pas exhaustive. Les gens qui ont versé de leur sang, parce qu'il y avait la dictature dans ces pays, la liberté d'opinion, il n'y en avait pas. Liberté d'expression, il n'y en avait pas. Des manifestations pacifiques réprimées par les sangs dans ces pays. La vie sociale, n'en parlons même pas, la population qui vivait dans un seuil de pauvreté énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, par rapport à ces tableaux macabres, par rapport à ces tableaux noirs du règne de Joseph Kabila, on peut pouvoir dire que Joseph Kabila puisse revenir? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant ces 18 ans de règne, paupériser la population? Est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est dans un élan de développement? Aujourd'hui, on peut dire oui. Félix Tshisekedi est en train de remettre le pays sur les rails, dans les orbites du développement. Qu'est-ce que Joseph Kabila viendra encore faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? La pauvreté est énorme. La vie sociale misérable. L'instabilité totale à l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale qui ressemblait à un mouroir, où on marchait dans les quatre coins de la capitale avec des odeurs nauséabondes. Qui était à la gestion? Qui était à la manœuvre? N'est-ce pas Joseph Kabila qui était à la manœuvre? On marchait dans les quatre coins de la capitale Kinshasa. Les routes délabrées, les artères, les routes secondaires
quasiment inexistante. Les policiers touchaient combien? Les soldats qui allaient au front touchaient combien? Les fonctionnaires, les enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut avoir cette audace, ces kilos d'appeler au retour de Joseph Kabila aux affaires? Il faut être un diable, il faut être un démon. Il ne faut pas avoir la conscience tranquille. Comment se permettre pour un 5 000 francs? Comment se permettre pour un 6 000 francs? Comment se permettre pour une somme modique vendre son pays? Vendre l'avenir des millions de Congolais? Nous sommes des millions et des millions. Les enfants qui viennent de naître, les garçons qui aillent à l'école et les filles, les diplômés qui sortent fraîchement des universités, qui attendent leur avenir être reluisant, avec quelle personne, avec quel leadership au sommet de l'État? Avec quelle personne, avec quel leadership au sommet de l'État? Comment vendre l'avenir de tout un peuple pour des sommes modiques? On peut vous amener des billets de banque, on vous amène 5 000 francs, on vous amène 10 000 francs. Ce sont vos billets, il faut les manger. Et puis ne satisfaire pas ou n'assouplissez pas le besoin mesquin de ces personnes qui ont détruit ces pays, de ces personnes qui ont paupérisé le peuple congolais, de ces personnes qui visent leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts personnels. Ne nous emportons pas par les sentiments. Kabila Zonga. Et puis, la Constitution est bel et bien claire quant à ce. Le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois. On a eu à échanger avec des avocats de grande envergure, des avocats, des renommés sur ces sujets. La Constitution est bel et bien claire. Kabila est resté comme sénateur à vie. Ne vous attendez pas, parce qu'on appelle, on chante à la gloire de quelqu'un qui a exercé des prouesses pour son pays. On chante à la gloire de la personne qui a défendu les drapeaux de son pays, d'un patriote. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les cadres du patriotisme, dans les cadres de prouesses, de développement de notre pays, on peut lever nos mains pour dire que Joseph Kabila a bien travaillé? La gestion des Kabila était reluisante. La gestion des Kabila était vraiment orthodoxe. Carrément, je dirais non. La population a souffert. Lorsqu'on prépare des plans machiavéliques, il est en train de fomenter des plans machiavéliques pour distraire la population qui est bornée vers le progrès de ces pays avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moins, avec la personne, avec le chef de l'État qui est en troisième année, troisième année depuis son accession à la souveraineté, depuis son accession à la tête de la République démocratique du Congo. Donc soutenons le chef de l'État, ne nous laissons pas distraire par des plans machiavéliques, ne nous laissons pas distraire par les ennemis du peuple, par les ennemis du Congo. Ayons cet amour de la République démocratique du Congo. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes déjà mis au parfum par rapport à ce qui s'est passé le week-end ici à Kinshasa. Joseph Kabila a floué, Joseph Kabila a dépensé le billet de banque auprès
de badauds auprès de voyous pour chanter à sa gloire, pour distraire l'opinion publique et internationale. Que aujourd'hui on réclame Joseph Kabila parce qu'il avait une bonne gestion à la tête du pays. Quelle gestion ? Avec le M23, avec les ADF, avec les Raïs Amutomboki, avec tous ces mondes-là, tous ces groupes rebelles comptés de plus de centaines, exerçant l'Est qui créent désolation. Aujourd'hui, on appelle à Kabila. Avec Kabila, où il y avait plus de millions des enfants qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ils ont retrouvé le sourire qu'ils vont à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Nous allons chanter, réclamer les retours de Kabila. Avec quel enseignant ? Enseignant qui touchait un salaire misérable, un salaire qui n'arrivait pas, qui ne le permettait pas de louer les deux bouts du mois. Aujourd'hui, on réclame Kabila. Avec quel fonctionnaire ? Un fonctionnaire qui touchait 80 000 francs congolais le mois ? Un fonctionnaire qui n'arrivait pas à répondre aux besoins les plus fondamentaux, les besoins élémentaires de ses enfants ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réclamer le retour de Kabila ? Donc, cessez ces histoires, cessez. Cessez avec ces histoires. N'embrayons pas le peuple congolais. Aujourd'hui, la population est consciencieuse. La population est vigilante. Les Congolais ne sont plus dupes. Tournons notre regard vers les progrès. C'était là hein, le premier sujet, mesdames et messieurs, fidèles internautes des Congo Live Télévision. Parlons-en à présent de cette visite attendue du chef de l'État à l'espace Grand Katanga. Le chef de l'État comme un père des familles. Vous savez, je m'en souviens encore une fois de plus. Je m'en souviens à l'époque du Zaïre. Comme le disait souvent le maréchal Mobutu, papa be moko, mama be moko, ekolo se moko. On n'est pas là pour diviser les Congos. Tout c'est lui qui se mettra à vouloir créer des anguilles sous roche justement pour déstabiliser ce pays. La personne-là ne parviendra pas à diviser le pays. On a un seul père que le chef de l'État, le garant suprême de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État se rend au Grand Katanga. Se rend au Grand Katanga justement pour colmater les brèches, pour accorder le violon. Vous êtes sans ignorer que la soi-disante députée nationale de son État, Dominique Munongo, des surcroît députée élue sur la liste d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, elle est montée au créneau avec toute audace possible pour indexer les Louba, pour indexer ce frère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de Mukongo, Muluba, Muswahili, Mbunza, Muyombe? Non, on est tous Congolais. Je serais fier d'être au Katanga. Je serais fier d'aller à Bakongo. Je serais fier d'être à Bandundu, à l'Équateur, parce que c'est mon pays. Je n'obtiens pas un visa pour aller au Katanga, je n'obtiens pas un visa pour aller au Bakongo. Tous les sémères de troubles, vous serez confondus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se déplace donc au Katanga pour rencontrer des notables katangais, parce que l'affaire a pris une autre allure. L'affaire a pris d'autres proportions avec la dame en ligne de mire, Dominique Munongo. Est-ce que tu peux être appelé député? Jusqu'à ce jour, elle ne présente même pas ses excuses. Et puis son acte est soutenu par
les soi-disant ténors de ces partis politiques. Un propos incendiaire, un propos séparatiste. Dominique Mounongo, qui est une mère. Est-ce qu'une mère peut se comporter de la sorte? Parce qu'on dit souvent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je crois que c'est une erreur en vous éduquant. C'est une erreur catégorique. Comment vous pouvez être instigatrice de la séparation, instigatrice de la division? La RDC restera unie et soudée. Vous n'arrivez pas à assouplir vos soifs mesquins. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui gère au pays au quotidien. Ne pensez pas que non, lorsqu'il y a quelque chose qui est grignoté, il y a quelque chose et qui est fait de l'autre côté ou dans l'autre coin, le chef de l'État n'a pas l'oreille pour entendre. Le chef de l'État est bel et bien informé. Nous ne voulons pas de guerre civile. Nous ne voulons pas de la haine tribale. Nous ne voulons pas du séparatisme en République démocratique du Congo. La RDC n'a pas été séparée depuis Mobutu. Nous tous, nous sommes égaux. Ce qui Moulouba a Kena Katanga, Zé Katanga, il vit dans son pays. Il vit dans son pays. Il ne faut pas stigmatiser lorsque un Louba est au Katanga. Il ne faut pas stigmatiser lorsque un Mukongo est à l'Équateur. Il ne faut pas stigmatiser lorsque un Équatorien, un Mungala, et à l'est, à Goma, à Bukavu. On est dans notre pays. Les chefs de l'État seront pour arrêter l'action du tribalisme. Nous n'en voulons pas du tribalisme dans notre pays. Nous n'en voulons pas du tribalisme. Il faut combattre le tribalisme d'où qu'il vient. On est un pays uni, on est un pays soudé. La République démocratique du Congo restera un et indivisible. Dominique Mounongo, il faut que tu présentes des excuses. Je me dis, Moïse Katumbi, où es-tu? Moïse Katumbi, où es-tu? Pour sanctionner ce genre de députés. Des députés à haut trouble. Des députés qui craignent des frustrations. Moïse Katumbi doit sanctionner ces députés. Sinon, demander à cette dernière de présenter ses excuses. Manger un chien, ça vous concerne en quoi? Un Louba travailler au Katanga. Ça vous lèse en quoi? En quoi ça vous lèse? Donc le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier citoyen de tous les Congolais, donc il est attendu au Katanga. J'espère que les notables Katangais et des notables Louba qui vivent au Katanga attendent impatiemment le chef de l'État. Il faut mettre de l'eau dans les vins pour enlever un peu
ces petits conflits tribaux. Donc, on est tous Congolais, vivons ensemble et vivons heureux avec le chef de l'État. Vivons ensemble et vivons heureux avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On voit cette détermination, cet amour manifeste, le chef de l'État, qui ne veut pas voir une tribu combattre une autre. Toutes les tribus de la République démocratique du Congo, Tozali, Bana, Moko, Bana ya Congo, Moko, Mokondibe, Moko. Donc cessons vraiment avec ces propagations du tribalisme qui n'est pas du tout bon. Qui n'est pas du tout bon. Pourquoi faire la promotion du tribalisme? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Travaillons, mettons-nous ensemble pour le progrès, pour le développement de la RDC. Mettons-nous ensemble pour un avenir radieux de la République démocratique du Congo. Et non, c'est mettre ensemble pour créer des désordres, c'est mettre ensemble pour l'instabilité du Congo. Nous n'en voulons pas. Dominique Moulongo, personnellement, je vous appelle à présenter les excuses à la population kassaïenne. Parce que c'était vraiment des propos déplacés, des propos discourtois. Donc vous êtes appelé vraiment à présenter les excuses à la population kassaïenne. Parlons à présent, parce qu'aujourd'hui, on va parler avec vous, on va discuter. Aujourd'hui, on a tout notre temps possible de parler, d'échanger, mesdames et messieurs. Cette coopération entre la Grande-Bretagne et le Rwanda, ça frise un coup, ça frise un plan. Aujourd'hui, le Rwanda de Paul Kagame, se porte garant de recevoir les réfugiés sur son sol. Quel est ce pays? Est-ce que le Rwanda a une superficie lui permettant d'accueillir les réfugiés? On se demande, les réfugiés rwandais qui sont ici, qui sont à Goma, au nord Kivu. Les réfugiés rwandais qui sont ici, depuis la guerre avec Habyarimana, qui ont fui le Rwanda, qu'on a accueilli ici, dans notre sol, la République démocratique du Congo. Ils sont là, on a des réfugiés rwandais qui vivent jusqu'à ces jours au Rwanda. Les rapatriements, ça se fait? Ça ne se fait pas. Paul Kagame, est-ce qu'aujourd'hui a les soucis, la volonté de récupérer ces Rwandais qui sont ici? Il ne les fait pas. Comment imaginer un petit pays comme le Rwanda? Un petit pays qui a de millions, de mille, de milliers de réfugiés ici au Congo. Et Paul Kagame se donne le luxe de signer des accords avec la Grande-Bretagne pour recevoir, accueillir les réfugiés qui sont là-bas en Grande-Bretagne, au Rwanda. Est-ce que je peux vous donner la cartographie, je peux vous donner le prototype de ces réfugiés qui sont en Grande-Bretagne? Ce sont des Somaliens. Ce sont des personnes à la race arabe. Dans tous ces mondes-là qui créent l'instabilité au sud Sahel,
Les Anglais veulent les envoyer au Rwanda pour résider au Rwanda. Paul Kagame a quel espace pour accueillir les réfugiés? Paul Kagame, avec son petit Rwanda, a quel espace pour accueillir ces réfugiés? Soyons réalistes, soyons pragmatiques. Est-ce ce n'est pas un coup fouet, ce n'est pas un plan qui se prépare pour déstabiliser la République démocratique du Congo avec sa partie est déjà fragile, plus d'une décennie? Mais en cela, la RDC reste vigilante. Le chef de l'État ne tergiverse pas. Le chef de l'État n'abdigue pas. Est toujours fidèle à ses principes, fidèle à son objectif, restaurer premièrement la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mettre la RD sous les orbites du développement. Vos plans contre la République démocratique du Congo, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Suisse, la France, la Belgique, vous n'arriverez pas à prendre une partie de la République démocratique du Congo. La RDC ne sera pas balkanisée si aujourd'hui le Rwanda, avec ses plans mesquins, vous êtes sans ignorer, il y a eu un moment où on a parlé que le Rwanda voulait construire une cité à Goma, que le chef de l'État a dit niet. Pas question que le Rwanda puisse construire une cité. Donc, ce n'est pas la cité, l'idée là que le Rwanda s'était déjà préparé bien avant, construire une cité à Goma, signer les contrats avec l'Angleterre, permettre à ces réfugiés avec des races arabes, des chebabs qui créent des désordres au Sud-Sahel, d'introduire ces mondes-là pour résider à la cité nouvellement, qui serait nouvellement construite. On dit non. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est tellement vigilant qu'il ne peut en aucun cas être roulé. On dit un fils des sphinx, lui-même est sphinx. Le fils du roi est roi. Le fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, les sphinx, est également sphinx, est également roi. Il ne peut en aucun cas être roulé. Avec le plan mesquin que vous préparez pour déstabiliser ces pays, avec le plan, avec les multinationaux, si vous pensez que une partie de la République démocratique du Congo sera cédée en faveur du Rwanda, en faveur du Burundi, en faveur d'Ouganda. Détrompez-vous. Je sais que vous me regardez. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Aucune partie, aucune terre de la République démocratique du Congo sera cédée en faveur du Rwanda, en faveur du Burundi, en faveur de l'Ouganda. Le chef de l'État se bat bec et ongles pour sécuriser, pour la sécurité de nos frontières, pour la sécurité de notre mère patrie. On n'a pas d'autre patrie. On n'a pas d'autre patrie que ces pays qui est la République démocratique du Congo. Les pays nous légués par nos aïeux. Nos aïeux qui ont versé de leur sang, qui ont été maltraités, qui ont été considérés comme les animaux. L'indépendance acquise par la force, par toutes nos énergies. Le pays qui est la République démocratique du Congo, nous devons le protéger. Nous devons avoir cet amour patriotique. Tous ces plans machiavéliques, tous ces plans déstabilisateurs seront voués à l'échec. Il n'y a aucune partie de la RDC qui sera cédée en faveur de tous ces pays qui envient le nôtre, qui envient la RDC. La République démocratique du Congo, Bendele Ekokweate, Bendele Ekokendeka Kaliboso. Donc ce plan est déjà perçu comme une provocation.
Signez vos accords. Signez vos accords avec l'Angleterre. Signez vos accords avec d'autres pays occidentaux. Mais n'espérez à aucun jour récupérer une terre de la RDC. N'espérez même pas. N'espérez même pas pouvoir récupérer quelque chose ou une terre de la République démocratique du Congo. On s'achemine lentement, mais sûrement, mesdames et messieurs, vers la fin de ces cadres de partage avec vous qui êtes disséminés à travers le monde. C'est dialogue. On parle chaque jour. Dialogue. Au moment où la RDC est dans les derniers virages pour l'organisation des élections en 2023, comme l'a soutenu le chef de l'État du haut de la tribune à l'Assemblée nationale lors de son discours à la Nation, les élections auront bel et bien lieu en 2023 conformément à la Constitution congolaise. Aujourd'hui, les opposants en perte de positionnement crie directement dialogue, il y a crise politique, il y a ceci, il y a cela, il faudra aller au dialogue. On vous appelle, venez, débattons des sujets concernant la loi électorale, concernant les élections, au niveau de l'institution crédible qui est l'Assemblée nationale. Du coup, ces députés claquent la porte, la plénière, dès la semaine passée, consacré à l'examen et adoption de la loi électorale, les députés de Lamouka, de Martin Fayoulou et de Mouzitu, les députés de Joseph Kabila du FCC, ces députés ont claqué la porte. On pourrait bien continuer la plénière avec Christophe Mosoko Diapwanga, avec ses soucis de la transparence, avec ses soucis de l'amour de ces pays. Christophe Mosoko Diapwanga a appelé ses députés du FCC, ses députés de la Mouka qui ont claqué la porte, à revenir à l'hémicycle, à revenir à la plénière qui est prévue pour ce mercredi, pour débattre de cette question. Nous ne voulons pas des dialogues de format sensitif, insensitif, des dialogues format dialogue de l'Union africaine. Nous n'en voulons plus satisfaire les intérêts des politiques. Félix Tshisekedi dit non. Félix Tshisekedi a le besoin que la population vive errée, que cette population vive paisiblement, que cette population retrouve la joie de vivre. Nous ne voulons pas des dialogues. Des dialogues qui se terminent, qui débouchent par du partage. Moi, j'essaierai au CNSA, moi, j'essaierai au ministère, moi, j'essaierai à la direction générale des recettes, à la DGRK, à la DGM, tout ce... Non. Nous ne voulons plus ces dialogues formant partage de postes, formant partage de pouvoir. Nous n'en voulons pas. Nous appelons, si vous avez l'amour de ces pays, les députés du FCC de Joseph Kabila, si Joseph Kabila lui-même a l'amour de ces pays, demandez à vos députés de rentrer. Vous avez peur des élections? Pourquoi vous voulez seulement entacher le chef de l'État? Tellement que les régimes passés étaient habitués à des glissements perpétuels, à des glissements, à des conciliambules, à des dialogues à tout bout de champ. Vous voulez entacher le régime de Félix Tshisekedi de Tshilombo avec des dialogues intempestifs, des dialogues qui ne s'arrêtent jamais. Non. Le cap est fixé vers les élections. Les élections tant attendues. 2023, c'est l'année électorale.
Le chef de l'État l'a soutenu, l'a confirmé. Les gouvernements de l'Union sacrée, à travers le ministre des Finances Kazadi, l'a aussi confirmé. Il y a l'argent. Donc, on ne va pas se laisser flouer par ces politiques, ces députés qui voient leur leader en mal de positionnement. Bon, on a l'impression que c'est bon à jeu. Débattons la loi électorale. Il faut doter de la CENI des cadres juridiques. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut supprimer les seuils électoraux qui, avec Joseph Kabila, étaient de 3%. S'il faudra ramener un tour à deux tours, s'il faudra faire ceci, faire cela, c'est à l'institution, Parlement, à l'Assemblée nationale, que toutes ces questions doivent être débattues et accouchées à travers des lois. Comment imaginer vous appeler à un dialogue autour de la loi électorale? Dans ce dialogue, ça sera dans quel cadre? Est-ce que s'il faudra enlever, supprimer le seuil électoral que Joseph Kabila avait mis à 3%, s'il faudra ramener de un tour à deux tours, est-ce qu'il faudra aller dans des cadres extra-institutions? Non! Le Parlement est là, l'Assemblée nationale est là, l'Assemblée nationale est là, justement, pour débattre de toutes ces questions qui taraudent les esprits de plus d'un Congolais, accoucher cela à travers des lois. On n'a pas besoin de ces dialogues. Il semblerait qu'il y a certains politiques qui veulent se réveiller, qui se réfèrent à la santé financière en prélude des échéances électorales de 2023. Vous vous dites que non, voilà, on n'a pas d'argent. Il faut que nous nous refassions la santé financière. Niet! Pas question de partage de postes. Pas question de partage de pouvoir. Dans des circonstances plus atténuantes. Nous n'en voulons pas des dialogues formant Sound City. Nous n'en voulons pas des dialogues formant. Allez débattre de toutes ces questions à l'Assemblée nationale. Allez débattre de toutes ces questions à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'il y aura une solution. Une solution exhaustive à toutes ces questions demandées. À toutes ces questions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne compte pas s'interférer, se mixer à ce qui concerne l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ne compte pas se mixer à tous ces problèmes. Pas question des dialogues formant Sound City, pas question de ces dialogues formant. Pas question de ces dialogues formant pour le partage des pouvoirs. Nous n'en voulons pas. L'institution habilitée à régler des problèmes électoraux, à débattre sur la question électorale, c'est bel et bien l'Assemblée nationale, un lieu idéal pour débattre de toutes ces questions. Nous ne voulons pas assouplir les besoins des politiques, de ces chefs des partis politiques à mal de positionnement qui veulent se refaire la santé financière. Nous n'en voulons pas. Le cap est fixé vers 2023. Nous devons respecter la constitution congolaise. On est dans un État qui se veut de droit. Félix Tshisekedi, qui y a instauré un état de droit. On est dans un état véritablement de droit qui, d'ailleurs, en processus, nous ne voulons pas torpiller les principes sacro-saints de notre pays. Nous ne voulons pas torpiller la Constitution pour un glissement. On ne peut pas entacher les régimes, le règne de Félix Tshisekedi par les irrégularités. Nous n'en voulons pas du tout. Et puis on termine, mesdames et messieurs,
avec cette joie manifeste, cette joie gigantesque des policiers et militaires. Les chefs de l'État a exaucé au vœu des millions de policiers, de millions de militaires qui défendent le pays, qui défendent l'intégrité territoriale, de 95 000 francs congolais à 54 000 francs congolais. Tel est le montant de la majoration de salaire des militaires. Quel ouf de soulagement pour ces militaires qui attendaient que la venue de Félix Tshisekedi aux affaires. Le militaire qui touchait des sommes modiques. On remarque bien évidemment, Félix Tshisekedi a ses soucis. Félix Tshisekedi écoute les cris des détresses de Congolais, que ce soit de petits peuples. C'est un chef à qui nous devons soutenir. C'est un chef à qui nous devons être derrière lui. Félix Tshisekedi pose toujours des actions salvatrices en faveur de cette population, en faveur de ses soldats. 95 000 francs congolais d'ajout. Non, ça ne s'est pas arrêté. C'est seulement pour ce mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, de juillet, il y aura des majorations des salaires de policiers. Il y aura des majorations des salaires de nos militaires avec cette volonté manifeste. Le chef de l'État a doublé le budget. On compte maintenant le budget de la République démocratique du Congo, plus de 10 milliards de dollars américains. Un budget réaliste. Le chef de l'État qui a ramené le chiffre à la hausse de notre réserve d'échange. La détermination est manifeste avec Félix Tshisekedi. La détermination, l'amour, l'essence patriotique est visible avec Félix Tshisekedi. Donc le chef de l'État ne va pas cesser à accomplir de merveilles pour ces pays, de merveilles pour la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des accords signés par Félix Tshisekedi avec nos collaborateurs, le partenaire de la RDC, c'est justement pour le bien-être social des Congolais. Félix Tshisekedi ne veut pas compromettre les vies des millions de Congolais. La RDC est là. Il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Il y aura des millionnaires, des milliardaires congolais. On voit ce vent nouveau qui souffle. On voit cette détermination. Félix Tshisekedi n'a pas fait 18 ans au pouvoir. Félix Tshisekedi n'a pas fait 20 ans au pouvoir. Mais ses réalisations sont monumentales. Ses réalisations sont vraiment hyper monumentales. Avec lui, j'espère que la RDC se mettra dans les orbites du développement. La RDC aura enfin son apogée. On est dans notre apogée avec Félix Tshisekedi. On était en déclin avec d'autres, mais aujourd'hui, on est en apogée. La RDC sera plus forte qu'avant. Qui croit à cela? Qui croit à un Congo fort? Qui croit à un Congo déterminé? Qui croit à un Congo de progrès? Si vous êtes comme un accord avec moi, donc vous pouvez aussi cliquer ou commenter positivement cette vidéo. Mesdames et messieurs fidèles internautes, c'est par ici que nous mettons un point, un final à ces cadres de chance, ces cadres de partage. Sur votre meilleure chaîne, votre chaîne d'information à temps réel, Congo Live Télévision, une tranche qui a été réalisée de main de maître par Joe Mukenga.
Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Congo Live Télévision. Au revoir. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова